Bonjour, je me présente, je suis Pénélope, auteur-illustrateur, je conçois, j'écris et dessine des livres. Ce qui m'intéresse de faire, ce sont des ouvrages destinés à la fois aux sourds et aux entendants tous réunis. Depuis 2012, je travaille en collaboration avec les instituts nationaux de jeunes sourds de Paris et de Metz, et notamment Monique Gendreau, interprète en langue des signes, pour l'élaboration des trois titres précédents, Des mains pour dire je t'aime, Parle avec les mains et Amour rouge. J'ai réalisé ce dernier titre avec Léven Bescardès, poète-comédien sourd. Après des poèmes sur la couleur rouge et la couleur bleue, aborder la notion du blanc et du noir s'est imposé à moi de façon évidente. Donc je propose à Léven de créer des poèmes sur le thème du blanc et du noir et bien sûr à Monique de participer au projet. Je souhaite concevoir un livre en accordéon de façon à traduire la fluidité des poèmes et de la langue des signes. Je veux créer des oppositions entre le blanc et le noir, le positif et le négatif, renforcées par des accents de brillance ton sur ton, en contraste avec la matité du papier, pour terminer par une explosion polychrome. Concrètement, nous nous réunissons tous les trois régulièrement pour échanger sur la conception des poèmes et sur la justesse des dessins de façon à ce qu'ils traduisent les signes de façon précise. Avec la complémentarité de nos compétences, l'estime et l'amitié qui nous lient, la collaboration s'effectue de façon très enrichissante. Nous nous comprenons grâce à l'aide inestimable de Monique et au langage universel de la création artistique. Pour ma plus grande joie, Brigitte Morel, directrice des éditions des Grandes Personnes, soutient avec constance et implication mes recherches et mes créations.